Yo les gars, c'est Stello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut avoir YouTube Studio sur Android ou iOS. Donc tout d'abord, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et surtout les mecs, n'oubliez pas le petit like. Allez ciao les mecs, je vous laisse avec la vidéo. Donc les gars, on se retrouve sur mon PC. Donc alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur l'App Store ou le Play Store. Vous allez taper YouTube Studio, donc comme ça, donc YouTube Studio hein. Vous pouvez taper tout simplement YouTube et vous descendrez et vous trouverez. Donc moi j'ai tapé YouTube Studio, comme ça je suis sûr de trouver. Donc voilà. Hop, donc vous avez le premier, YouTube Studio tout simplement, photo et vidéo de Google LLC. Donc vous ferez installer, moi vu que je l'ai installé il y a marqué ouvrir, mais vous ferez installer. Donc on va l'ouvrir. Alors une fois dedans, comme vous pouvez voir, c'est comme YouTube Studio sur ordi, sauf que bon, il y a moins de fonctionnalités, mais bon, c'est déjà ça. Donc vous avez le tableau de bord, donc voilà, vous avez plein d'éléments. Donc là, vous avez l'élément de ma dernière vidéo, on peut voir les statistiques de ma dernière vidéo et les commentaires. Par exemple là, c'est les statistiques de toutes mes vidéos. Donc voilà, donc là vous les avez toutes, donc vous pouvez cliquer sur une, vous aurez les vues, les commentaires, les likes, etc. etc. Donc après on peut se rendre, on se rend sur tableau de bord, vous avez les analytiques de toute votre chaîne, donc de toutes les vidéos, les abonnements, les commentaires, les découvertes, les impressions que YouTube a... Les impressions en fait c'est le nombre de fois que YouTube a montré vos vidéos, a proposé vos vidéos à des spectateurs, donc des gens comme vous. Après il y a les top fiches, etc. etc. Donc après il y a les commentaires, il y a l'onglet commentaires. Donc là vous pouvez voir tous les commentaires qu'il y a eu sur vos vidéos. Et après il y a encore les analytics. Donc là voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. Sauf que oui, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et surtout les mecs, n'oubliez pas le petit like, ça me fait avancer et ça m'aide. Donc allez ciao les mecs, c'était Stelloé.